Bonjour à tous, je suis Damien, vous êtes sur l'œil carnivore et aujourd'hui je vous propose des petites parties de Mechabellum en 1v1. Je viens de me faire poutrer par des hackers, technique qui a très très bien marché, je n'ai pas trouvé le contre. J'espère que je vais vous proposer un meilleur jeu cette fois-ci. J'ai dû refaire l'intro YouTube parce que... J'avais un problème de son, tout simplement. Donc voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous regardez ça sur YouTube, et à venir me voir le mardi et le vendredi midi. Je suis en live entre 12h30 et 14h sur Twitch. Vous tapez l'œil carnivore et vous allez trouver, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On va faire du beau jeu, il y a du monde en spectateur, donc ça va être sympa. Alors, on a spécialiste géant, on a aérial, on a le marksman, et on a... il n'y a rien qui me plaît. Ouais, bon, on va prendre ça. C'est pas un début que j'aime, mais au moins je sais quoi faire avec. On va prendre du rampeur et on va faire la technique des box. Alors je prends 5, hop, voilà. Alors l'idée c'est qu'il déplace. On va faire ça. On va laisser un là. Et un là. Ah, il va se faire démonter, mais c'est pas grave. Ok, allez, c'est parti. Hop. Ça va, là, ça se passe pas trop mal. Et ici, pas trop mal non plus. Des buffs. Voilà. Le push qui a fonctionné. Je suis quoi moi? Géant spécialiste. Et il est... Ah, ok. Il est... il croque sous la dent un peu plus. Va falloir faire gaffe. Ah, ça c'est dommage. Alors je pourrais prendre ça. Airdrop. Allez, on va prendre le airdrop. Airdrop, mais je vais me prendre la même chose dans le dos. Alors, on va faire ça. Et on va prendre ça. D'ailleurs, le spécialiste Rhino, il y a un monde où il est bien. Je le trouve vraiment en dessous des autres. C'est vrai que le problème en plus, c'est qu'il arrive très tard. Donc, tu as le temps de te faire avoir pendant les manches où il n'est pas là. Et après, généralement, tu le revends.
Donc je suis effectivement pas très sûr de l'intérêt. Alors qu'est-ce qu'il a pris lui? Il a pris les marksmen qui tapent plus loin. Alors... Qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai envie de prendre ça. J'ai envie de prendre ça parce que bah, il peut accélérer avec, avec les balles. Mais il va falloir faire gaffe parce que j'ai rien en anti-aérien. On est à combien? On est à 600. Ou alors je prends ça. Ouais, je vais prendre ça. Et John Locke. Allez, on va plutôt mettre ça ici. On va mettre ça là. Et on va le mettre même là. Comme ça, il y aura la place. Et hop. Hop. Ah merde, j'ai pas upé les boules. Un problème de chape là. J'ai un problème de chape. Pas bien. Pas bien. La forteresse, elle fait le job. Ouais. Elle a fait le job, la forteresse. Et elle passe de niveau. Elle passe de niveau. Est-ce que ça marche, là? Alors, ça marcherait... Ah, c'est pas bête, en fait. Je pourrais faire ça. On va faire ça. Vêtements pour occuper. On va faire... Est-ce que je vais avoir un souci ici. Ça me plaît pas. L'offre une médaille et un cookie à cette forteresse. Ouais, t'as raison, Troubadix. Je suis preneur. Alors peut-être celui-là, parce qu'on sait jamais avec un milieu et il va falloir. Ah ouais, alors là. Genre le mauvais placement de la mort quoi. Elle était trop, elles sont trop écartées. Alors il part du principe qu'il faut augmenter plus de forteresses, plus de... Ouais ça va être chaud hein. Ah
Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Alors non, on va pas faire ça. Iron Blast, non. Les missiles. Alors je pourrais faire ça, mais j'ai besoin de Sioux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revendre. Ça, c'est sûr, mais alors qu'est-ce que je revends? Vais revendre ça pour l'instant. Et voilà. Et j'ai bien envie de faire ça. Ça, ça serait déjà on va mettre quand même les boucliers. On va aller chercher bon bah de toute façon voilà. Hop. Allez. Peut-être ça. Et on va unlock ça. Voilà. Parce que... Oh, au moins, c'était efficace. Ah oui, il faut que je rajoute du Mustang pour clear. Mustang pour clear, il faut que je rajoute. Parce que ça ne clear pas assez vite. Alors le duel là au soleil, là entre les deux, mais ouais. Le scorpion. Scorpion gagne. Pour l'instant, mon chef clear, c'est... Ah. Alors, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça et même à la limite le faire dans le coin là. Non, ici. Ah, je pourrais faire ça. Ah, ou alors, bah oui, on va même faire plus simple. Allez, hop. On va faire ça. Mais je risque de me prendre la même, on est d'accord. Hein. Mais bon. Là. On va voir. Si jamais il me le fait ici, on va faire ça. On va monter. Allez, monter de niveau, parce que ça joue quand même. Hop. J'aimerais bien en rajouter une nouvelle. Hein. Pour l'instant, ça fait le job. Mais une nouvelle, ça veut dire. Ça veut dire moins de chat, moins d'anti-chaff. En fait, ouais, c'est peut-être le moment d'aller caser ça. Voilà. Alors, je vais me faire ça. Je vais faire ça. Alors pourquoi? Parce que un traumatisme. Ah merde. Ouais, je savais. Je le savais. Alors on va voir. Normalement, les forteresses ont pas trop de problèmes à venir à bout des sandstorms. Hein. Donc voilà, le debuff, ça c'est parfait. Par contre, il m'en a mis de l'artillerie là.
Je vais avoir le debuff derrière. Ouais. Ah, peut-être que ça suffit. Je sais pas, au niveau point de vie. On va regarder. Est-ce que ça suffit? Ouais, ça suffit. Ça suffit. Et je peux le taper GG. Pourquoi? Bah non. Ah bah voilà. Je ne sais pas. Mon ordinateur fait des trucs bizarres ce matin. À ce midi plutôt. Cool. Cool, cool, cool. Bah les forteresses c'est très fort. On a vu que même face aux scorpions, ça peut être une bonne réplique parce que bah il tape lentement et en fait la forteresse tape toutes les 1,8, le scorpion toutes les 4-5. Tu mets un bouclier, voilà. Le pire c'est que bah ça augmente en plus les boucliers en fonction du niveau de la forteresse, donc ça commence à devenir compliqué à avoir. Il a essayé son flank, heureusement j'avais mis le rhino à cet endroit-là. Il l'aurait fait de l'autre côté, ça aurait été plus compliqué parce qu'il serait venu plus vite. Et puis là, le petit flank qui a suffi. Heureusement que j'ai mis là et pas de l'autre côté, ça aurait pas été la même. Mais bon, de toute façon, de ce côté-là, il n'y avait aucun sens de le mettre là, il serait fait fumer directement. Donc il avait complètement dégarni ce flanc-là. Heureusement, il n'est pas parti en aérien parce que j'aurais pas pu faire grand chose. Bah, en tout cas, sur le tour. Après, on ne pouvait cliquer sur le barrage anti-aérien, donc ça aurait peut-être fonctionné. Eh ben, je suis content. Yes. C'est bon. Voilà. C'est mieux pour ce match quand même. Hop, on remonte à 1448. On y est presque. Allez, on repart. Et après, si quelqu'un a envie de venir jouer avec moi, bah, n'hésitez pas, venez, venez. Je ne sais pas si Troubadix, tu veux venir faire un petit peu de 2v2. Pour l'instant, tu es le seul qui interagit. Ne soyez pas timide, hein. Allez-y, même even in English, if you want. Même si mon anglais est pas complètement comme ça, mais n'hésitez pas. Hop. Voilà. Bon, en tout cas, je suis content que ça ait marché. Peut-être que j'aurais dû partir sur forteresse contre ces saloperies de hackers tout à l'heure. Ah, t'es chaude pour une partie. Ah bah oui, bah, je me suis pas mis... sur le Discord. Ah bah oui, de toute façon, t'es pas en vocal. Ok, bah je t'invite à la prochaine, je t'invite. Pas de souci. Hop. Voilà. Tac. Je vais me mettre. Sur le stream. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un supply. Ah, ça c'est pas trop mal. Fortifié. Ouais, vu les points de vie, on va prendre ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Lui, il a le mouvement. Ok, et moi, je suis supply. Il a l'anti-aérien. Il a de l'aérien, plutôt, donc il va falloir de l'anti-aérien. Alors, j'aurais tendance à faire ça. On va faire ça. Voilà. On va partir assez central. J'ai l'impression que je suis plus haut là que là. On va mettre un ici. Et puis on va... Alors, je sais que c'est pas bien de pas mettre de chaff, mais là, le chaff va se faire bousiller. Donc, on va prendre ça.
Et puis on va voir. Je suis pas confiant, je vous avoue. Ok, allez, c'est parti. Bon, normalement, mes arcs-là, ils doivent bouffer ça. Ça doit aller taper là. Salut Cardella! Et normalement, voilà, si tout se passe bien, je dois me faire les avions. Voilà. Voilà. C'était sauvage. C'était très sauvage. Comment tu vas, Cardella? Alors, ça serait rigolo sur les trucs, mais là, improve. Airdrop, ça serait pas mal aussi. On va prendre ça quand même. Ça va. Flemme de bosser en ce bel été, mais ça passe. C'est vrai que là, l'été commence à être sympa. Vous savez quoi? Je vais faire ça. Hop! Je vais faire ça. Et là, bon, il me faut du chaff, hein, on est d'accord. Vu ce qui m'arrive dessus. J'ai presque envie. J'ai presque envie de partir comme ça, là. Et puis, on va sortir un autre, hein, parce que là, va le sortir là. Et on va se blinder un peu. Ou on va faire plus de dégâts? On va faire plus de dégâts. Allez hop. Alors, il est reparti sur du... Il est très chaud cet été, encore des températures. Ouais, ça dépend où vous vous trouvez, hein. En Belgique, c'est pas dit, hein. Alors, il a mis plus de monde là, de ce côté-là. Est-ce qu'il va réussir à passer? Parce que, ouais. Ok, c'est cool. Bon, mes tanks servent vraiment de tank. Ils sont devant, ils tankent. Je sais pas s'ils font grand chose, mais ils sont là pour tanker quoi. Et je me demande si je devrais pas en rajouter un peu. Ah, ou alors ce genre de choses, ou des wasps, ou du race. Ah, on va prendre ça, allez. Alors, on va prendre ça. Ouais, t'as raison. Les spectres en standard versus standard, c'est pas ouf. Puis j'ai besoin de tankitude sur ma ligne. Donc on va faire ça. Et puis en plus, ça me permettra de gérer. Alors, il y avait plus de chaff de ce côté-là, on est d'accord. On voit pas bien. Mais là, il y a plus de chaff que de ce côté-là. Donc dans l'absolu, il faudrait. On va les mettre comme ça sera bien. Ça, on va les monter parce que de toute façon, il m'a sorti un truc. Alors, je sais plus ce qu'il y avait trop comme choix. Ah, aussi, il y avait les guêpes. C'est pour ça que j'avais envie de partir sur du Mustang, je vous avoue. Hein? On pourrait prendre un petit lot de Mustang juste comme ça. Qu'on met ici. Et puis. Ou alors qu'on met même. Tac. Et puis ça, on en met un autre ici. Hop, voilà. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il m'a pris? Il m'a sorti d'autres phénix. Ah, il a pris le. Bon, et ça fait pas mal de points de vie, mais ça devrait aller.
Ah, ça devient chaud. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez. Non. Ah, ça va pas suffire. Ouais, bah je vais les mettre en anti-aérien, hein, c'est clair. Ah, c'est parce qu'en plus il a mis un truc dessus, quoi. Alors là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Il va te falloir du lourd, ouais, il va me falloir du lourd. J'aurais bien parti sur un géant, mais là. On va faire ça. On va faire ça. Et on va en rajouter deux de plus, hein. Alors, et puis des level 2 perso, ouais, t'as peut-être raison. Je crois que j'en ai un level 2, celui-là il est level 2 déjà. On va monter un peu de niveau et on va mettre de la portée pour pas qu'il se fasse bouffer directement. Ouais, mais ça me paraît beaucoup. Ah. En fait, celui-là, j'ai envie de le mettre. Ouais, mais il va le prendre normalement par défaut. Puis on va monter ça de niveau. Parce qu'il y avait quand même du. J'arrive pas à voir ces unités. Vous arrivez bien à les voir, vous? Ça devrait. C'est bon. Il est pris en cible. Alors là, ouais, j'ai quand même un problème de chaff, hein, on est d'accord. Trop chaud. Bah voilà, j'ai des level 2, regardez là. J'ai des level 2. Bon, la nuke, ouais. Non, non. L'émission. Est-ce que je vais faire un flank? Pas sûr. Là, on a des. Pourquoi je me prends des crawlers? Bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Faut-on pas ouf? Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je manque de chaff. On est clair. Je manque peut-être d'anti-chaff aussi. Salut Xenon. En fait, je me demande presque si je devrais pas mettre un petit, des petits sledgehammers supplémentaires. Ouais, mais non, parce qu'il y a eux qui font. À la limite, quitte à faire ça, je fais ça alors. Ouais, genre, j'en remets un ici, quoi. Ça, je peux le booster. Et on va en mettre un ici. Et on va mettre la portée. Et. Voilà. C'était un tour pour rien. Bon, il insiste hein, sur les phénix. Mais je pense que là, ça va commencer à être compliqué. Voilà, il commence à être descendu très très vite son donut. Là. Il a mis quelque chose sur ses. Voilà, il a. Ouais, il a mis la portée sur ses.
Alors c'est marrant parce que là maintenant c'est ce côté-là qui passe et pas l'autre. Alors ça c'est pour rigoler. Ça serait bien pour... mais j'ai déjà beaucoup d'anti-aériens. Voilà. Ouais, il faut que je m'attende à des Vulcains ou du Worm, on est d'accord. Est-ce que le Worm changerait quelque chose? Je pense qu'il va se faire défoncer direct. Ah si! Par contre... Par contre, avec le truc qui fait que à distance, il n'arrive pas à les taper dessus. Ouais, je suis pas sûr. On va simplement. Ah merde! Ah, j'ai merdé là. J'ai merdé. On va simplement faire ça. Hein. Hop, voilà. Oui, bah t'as vu, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, comme quoi, je commence à être raisonnable. On va rajouter ça. On va mettre ça, hop, ici. Mettre un au milieu. Et puis, on va rajouter un bagueur. J'aurais dû mettre la portée. Ouais, le timer. Voilà. Voilà. Et quand il a mis des trucs, non, il a rien mis dessus. C'est parce que j'ai pas de crawler et c'est des crocs que j'ai, c'est si merdique que ça. Ça fait mal. Mayday, mayday, mayday. Ah, il passe. Il passe. Comme ton shaft clear est sur la même ligne, ça meurt et tu te retrouves sans shaft clear. Redéploy, c'est bien. Ça me permet de corriger mes erreurs de placement. T'as raison, Xenon. Mes erreurs de placement. Où est-ce que t'as vu ça, des erreurs de placement? Alors, on va déjà faire ça. On va déjà faire ça. On va déjà faire ça. Ouais, c'est bon. Là. Alors, en fait, ce qu'on pourrait faire, je pourrais faire ça. On est tour 7. Ouais, bon, allez, hop, tac. On va faire ça et ça et ça. Voilà. Ah oui, mais il m'en faut un autre de l'autre côté. Hop. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Et ça sera tout.
Ah, le napalm sur les Badgers, ouais, c'est vrai que ça aurait pu le faire, effectivement. Bon, là, l'anti-aérien sur les Mustangs, ça a fait le job aussi. Et ça marche, ça marche. Ça, c'est clair que les Félix font moins le malin. GG à toi aussi. Il a trop commit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À partir du moment où, avec les Mustangs, bah, ça devenait plus compliqué de réussir à faire quelque chose. Je suis pas sûr que le bouclier sur les Fangs ait changé grand-chose, je vous avoue. Mais ah, ça a dû tenir quelques temps, quoi. Le Vulcain Phénix, ça commence à passer? Ça commence à repasser, tu veux dire. Ça recommence à passer, oui, c'est ça. Ouais, ça peut fonctionner sur certains trucs. Bah voilà, bah, pas mécontent de réussir à battre cet adversaire parce que c'était un peu chaud quand même. C'était pas évident. Hop, allez. En tout cas, je suis content de l'avoir gagné celle-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, n'hésitez pas à liker la chaîne hein, si vous n'êtes pas abonné. Et puis bah, je vais inviter Troubadix. Hop! Voilà. Oui, je pense que le bouclier, en tout cas, a temporisé suffisamment pour que j'arrive à battre son chaff avec mes comment se dire mes Mustangs et après c'était bon. Troubadix. Ouais, la team Troubadix, Damien. Bon, je vais la réinviter. Je vais la réinviter plutôt, excuse-moi, Troubadix. Hop. Allez, allez. Eh ben alors, Troubadix, qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que tu te trouves? Troubadix est demandé à l'accueil. Troubadix, merci. En tout cas, je trouve que Troubadix a beaucoup progressé en tant que joueuse. Mine de rien, elle a réussi à, malgré le fait qu'elle a un PC qui est pas top, etc., à avoir son propre style de jeu. J'aime bien. Parce que c'est facile d'appliquer des règles que tu vois à droite à gauche. C'est plus difficile de trouver ton chemin. Ton propre chemin. Bon, bah, je vais repartir Troubadix. Je sais pas, hier, elle m'a copié sur du Huntsman en 2v2. Ah bah oui, non mais évidemment. Après, il faut toujours, faut pas complètement être absurde, faut regarder. Ah, PC a planté, je suis là dans 30 secondes. Bon, bah c'est pas grave, on attend. Si ton chemin est d'appliquer des règles que tu as vues à gauche à droite, oui, pourquoi pas? Bah de toute façon, soyons clairs, il faut pas faire n'importe quoi. Et il y a un certain nombre de règles quand même qu'il faut obtenir. Après, il y a des tactiques. Le pire, c'est d'adapter des tactiques qu'on a pu voir stricto sensu sans réagir à ce qui se passe en face, etc. Et puis après, on a toujours nos préférences, on préfère jouer telle ou telle unité. Les hackers, ça fait une éternité que j'en ai pas joué, par exemple. Hop. Hop. Ah ben voilà, ça y est. Alors Teams, on enlève le normal, on garde le siège et le compact, et on y va. Le mass melter distraction. Ouais. Après, il y a des jeux que moi je trouve ça j'aime pas, tu vois. Je trouve ça laid. Je préfère gagner en ayant. Par exemple, l'artillerie, c'est une unité que j'ai du mal à jouer parce que je la trouve trop embêtante quand je me la prends, donc j'aime pas faire ça à mon adversaire. Bon bah ça va,
à peu près du même niveau. On va voir ce que ça donne. C'est parti. De toute façon, chacun fait comme il peut au niveau des tactiques, je crois. Et chacun a son orientation. Car dès là, toi, tu es en train de regarder chaque tactique. Tu es un théorie crafter, en fait, toi. Disons que nous ne sommes pas des Anglais, on a de l'honneur. Ouais. Alors, le contrôle des coups, le fortifié, Rhino ou le speed? Ah ouais, ah ouais, c'est comme ça quoi. Bah le, ouais, le... Ah. Perso, t'as pris élite. Ouais, mais j'avais pas d'élite. Mais je sais que t'adores l'élite, Troubadix. Qu'est-ce qu'on a en face? Ah bah voilà. Genre... Ah, ok. Ah ouais, non mais là, je vais me faire hacher menu. Ben on va faire comme ça. Je suis plus un perroquet qu'un theory crafter. Je regarde des gens intelligents puis j'essaye de refaire. Ouais, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je sais pas du tout là. Face à ça, pour pas que je me ramasse tout dans la face. Alors, t'es très offensif. Alors, on va essayer d'être offensif aussi de ce côté-là. On va faire ça. Ça. Ah, peut-être un peu moins, voilà. On va prendre ça. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Et on va aller chercher. Hop. Voilà. Et c'est parti. Alors je l'ai mis décalé là ici parce que s'il y a une bombe qui tombe là-dessus, je pense que je suis pas pris, mais voilà, je me méfie. Alors évidemment, hein, les Mustangs, ça n'aime pas du tout les faiseurs d'orage. C'est vraiment. Eh les gars, il y a une tour là. Il y a une tour. Il y a une tour. Mais arrêtez! Il y a une tour. Une tour. Ouh. Là, juste devant vous. Bon, c'était pas bien. Ouais, non, j'avais vu quoi. Est-ce que ça c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il a en face? Il a rien de très résistant. Ça pourrait être pas mal. Allez, on va faire ça. J'ai pas regardé ce qu'il y avait d'autre. Je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça, mais bon. Ah, je suis embêté. Je suis embêté parce que là, je suis quoi? Je suis spécialiste en plus costaud. Il faut que je prenne du costaud, moi. Ouais, plus de Mustang et plus de crawler. Ouais, bah de toute façon, je crois que je vais pas avoir le choix, mais... Et je fais ceci. Ah non, regarde, j'ai mis un petit missile. S'il flanque, voilà. Le petit missile qui va faire que je vais pas me faire avoir tout de suite, tout de suite.
En premier affaire, il faudrait. Alors qu'est-ce qu'il a pris mon adversaire? Ah, il a pris la même chose. Il a pris la même chose, la portée. Je me demande, vu comment il a commencé son board. Ah, ça donne envie, ouais, surtout pour les Mustangs. Alors, vu comment il a commencé son board, si j'augmente de 40 mètres, est-ce que je tape pas avant que ces trucs arrivent? C'est une question, hein. Là, tac, tac. Alors, c'est lesquels qu'on fait le mieux? 5000, 8000. Allez, on va prendre ça. Ouais, c'est pour ça que je crois que si je mets la portée, je vais les mettre sur sur mes amis les Mustangs. Ah oui, mais j'ai pas. Ouais, ce tour-ci, ça serait un peu abusé, donc on va rajouter un stand ici. Voilà, comme ça. Ça évite. Et on va mettre un truc ici. Ouais, ça. Bah là, je pense que là, j'ai ce qu'il faut. J'arrête. Promis. Promesse de pochetron, on est d'accord, mais voilà. Allez. Il aime bien les snipers. Bah, mon adversaire aussi, je crois qu'il aime bien les snipers. De toute façon, au prochain tour, il faut vraiment que je mette la portée. Ça changera beaucoup de choses. Ton adversaire aime les snipers. Moi, je vais pas me prendre ça. Mais je me demande si je devrais pas, moi, passer là-dessus. C'est pas loin avec la portée, ça fait la diff, je pense. Mais attention à avoir un truc un peu plus lourd devant. Ouais. Bah, il me faut Ouais, les guêpes, c'est pas mal pour l'emmerder, hein, on est d'accord. Et le sabeur, bah le sabeur, parce que j'ai besoin de. Je suis fortifié, moi. Hein, et j'ai besoin d'un truc qui résiste. Mais même, je suis presque en train de me dire que là, un petit. Voilà, pof. Voilà. Au milieu, là, pouf. il faut la porter sur les Mustangs. Ouais, je sais, j'aurais pas dû. J'ai craqué. Je vais quand même prendre. Et puis ça sera tout. Ah, au prochain coup, on met que du chaff et de la portée. En niché. Parce que là, pour l'instant, mes Mustangs, bah, ils se font démonter parce que ils sont.
Ah, ça va être chaud à descendre, hein. Oh là là. En vrai, faudrait juste porter Mustang, mettre peut-être le sabre anti-missile, why not? Ouais. En tout cas, là, ça passe pas. Comment ça se passe de ton côté, Troubadix? Ah. Bravo. Merci, Troubadix. Ouais, j'ai pas de deuxième vague, c'est vrai que c'est gênant. En train de... Alors attendez, attendez, attendez. On va se mettre de la portée déjà sur les Phoenix. Sur les Mustang plutôt, pas les Phoenix. Ça, c'est déjà une chose de fait. Ouais, t'as raison. On va revendre. Field recovery, hop, tac, tac, voilà, et tac, on va mettre là, voilà. Là, on va faire ça, et on va... Ça a rien. On est round 5. Bon, un petit peu de vitesse. Allez. C'est bien, il a dépensé de l'argent sur des... Sur des trucs qui vont... qu'il va dû perdre. Lui, il fait mal, hein. Mais bon, va me falloir du perce armure costaud. Il a combien de points de vie? 70 et quelques. Et il fait du 3000 par tir. Cool, la forteresse passe. Et où la forteresse passe, le reste trépasse. 30 000 par tir plutôt. Ouais, je pense que ça doit être 30 000. Ça me paraissait très peu. 3000. Est-ce que je l'attendrai pas avec un bon vieux melting pot des familles un melting pot un melting point ou des steel balls, genre des steel balls qui arrivent en fond et qui viennent s'en occuper ou un race. Mais Wace, il a des chances. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Contre l'anti-aérien, il a pas grand-chose, grand-chose. Je vais prendre le Wace, et puis je vais le mettre ici. Voilà. Il va venir... Alors, on va faire ça. Alors, la question, c'est est-ce que je mets la portée ou je mets les boucliers? La portée serait quand même pas mal. On va mettre la portée. On va se mettre un autre ici. Voilà. Et on va se mettre du chaff derrière. Voilà. Et on va se mettre... Ah! Voilà.
J'ai pas levelé les mustangs. J'avais des mustangs qui pouvaient leveler, je les ai pas levelés. Aïe aïe aïe. Ouais, lui il est sauvage hein. Aïe 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 aïe. Bon alors qu'est-ce que je fais? Je fais du bouclier. Bon je revends le donut, hein. Il sert pas à grand chose. D'accord. Bon on a survécu. On a survécu, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Aïe, oui, aïe, aïe, aïe. Le smoke va, de toute façon, avec les boucliers, ça va pas le faire. On va prendre ça. On va développer ça. On va vendre ça. Alors, est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Déjà. Voilà. Ouais, il me faut plus de chaff. Il faut que je le mette en seconde ligne, hein. On est d'accord. Ça. Bon, l'armure c'est super fort. Ah oui, merde. Merde, 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 merde. Oh là là, trop tard. Ah ouais, l'armure c'est super fort. D'accord. Pas trop de temps à tuer le chaf. Il y a trop de temps à lever le chaff. Oh bah ça passe, j'y croyais plus. Allez, deux rampeurs et ça fait la différence. Merci Xenon. Je suis pas mécontent de l'avoir gagné celle-là. Et bravo Troubadix. Bravo, bravo Troubadix. Je vois qu'on était dans le. Alors, ouh, il est joli celui-là. Il est joli. Alors des wasps, des trucs. Qu'est-ce que t'avais pour combattre ça, toi? C'était chaud. Ouais, t'avais le Worms ici. Comment tu combattais? Comment tu combattais les... Comment tu les as combattus? Un Mustang? C'est juste ce Mustang qui a fait, qui a nettoyé tout ça? C'est pas possible. Parce qu'il y avait de la guêpe, quoi. Sur la dernière manche, à droite, c'est pas passé. Ah oui, t'avais une guêpe ici aussi. Ouais. D'accord. Mais bon, elles étaient pas EP, ouais. Je sais même pas comment c'est passé, quoi. Mais je l'ai fait debuff avec le flank. Le flank a réussi à passer quand même. Donc lui, il a réussi à arriver là et pof, à le debuff. D'accord. Mais toi aussi, t'as dû te faire avoir... T'es arrivé à bloquer ce passage, quoi. Chapeau. Bravo. Et de mon côté, bah ouais, les chaffes qui arrivaient en deuxième,
a fait la différence parce que bah, il n'en avait pas beaucoup, même si c'était du crawler niveau 2. C'est con parce que j'aurais mis le hypersing ou plutôt le hameau et ça aurait été plus efficace contre son chaff. Mais je perdais beaucoup de temps avec mes forteresses à taper sur le chaff. Hein. C'est le problème, j'arrive pas à comprendre pourquoi je gagne ou que je perds. Bah ouais, là je sais même pas comment tu t'es pas fait éclater quand même. Bon d'accord, t'avais les phénix, mais les phénix ils étaient super proches, donc ils allaient se faire racher. Ouais, t'en avais encore un ici? Je sais pas. Faudrait regarder le replay pour voir ce qui s'est passé. Ok, allez, on a le temps d'en faire une petite encore. Hop, si ça te va, Troubalix. Allez, c'est parti. Et comme je disais, ce soir, normalement, je fais un live avec Maître Peter, si tout se passe bien. Je sais pas exactement à quelle heure il m'a pas répondu. Ou alors il m'a répondu, j'ai pas vu la. Mais bon, en début de soirée, je pense. Va voir ce que ça donne. Il est censé montrer sa technique de push. Particulièrement vénère. Il faut savoir pour ceux qui regardent cette vidéo, donc ça sera une vidéo si vous regardez sur YouTube qui sera prochainement disponible et c'est un spécialiste du s'appelle l'attaque en front quoi. J'ai un trou de mémoire. Bah, ouais, hein. Continue. On compte. Oh putain, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Ah là 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 là. De l'aérien. Bon, toi, t'as tout ce qu'il faut pour le combattre, tu me diras. Mais en face, il a tout ce qu'il faut pour te combattre aussi. Ok. Bon, bah, de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque. Ouais, on va attaquer frontal ici. Hop. De toute façon, il va pas être offensif. Hein, je pense pas. Donc l'idée c'est. Salut Corwin, comment ça va? On va se mettre là. Tac. Et alors est-ce que je prends deux snipers? Ou je compte sur tes snipers pour descendre les audios? Ce qui m'embête, c'est que c'est pas terrible ce que j'ai pour contre ça, mais bon, allez. Jamais prendre de star snipe. Bah alors, qu'est-ce que tu prends? Ah, tu prends les phénix? Ok, bah alors je vais prendre. Ouais. Genre, j'ai des boules et monsieur met des boules. Ok. Je suis content qu'il soit là, ceux-là. Allez, chef. Ouais, bah tu, je t'aide. Alors là, genre, les phénix, ils servent à rien pendant tout le match. Ouais, bon bah par contre, ouais. Bah oui, la caméra auto, mais... Ça vous permet d'être un peu plus proche, surtout pour ceux qui sont sur téléphone, d'un peu plus proche du combat. Sinon, j'ai tendance à regarder et à... Alors, faudrait que j'anime moi-même le truc, mais... Alors...
Ok, il a mis ça ici, bah c'est facilement comptable, mais... Alors, est-ce que je partirais pas avec un petit Mustang? Lui, il va partir là-dessus. Est-ce que je partirais pas? Je sais pas. Je sais pas du tout, je vous avoue. Alors, il y a un Mustang, je peux mettre un Race au milieu. Voilà, comme ça. On va aller chercher ça, on va aller mettre ça là. Ah, pour l'instant, normalement, ça suffit. On va faire ça et on va rajouter deuxième passe ici. Et puis, deuxième passe, je vais la mettre un peu plus loin. C'est juste pour protéger des trucs qui pourraient être posés plus tard dans le fond. Allez, hop. Il veut Crocari, tu penses, Xenon? Non, je pense pas. Bon, les petits crocs, ils auront mis le temps à aller les chercher, mais ils auront fini par y arriver. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Le debuff. Let's do it. Ok. Ah oui, c'est vrai. Alors la question, c'est quoi? Mais je pars avec quoi? Je pars avec du Mustang là? Le Mustang? Ça va pas le faire là. Ou est-ce que je pars avec du Phoenix? Ouais, c'était bien. On met un deuxième et je vais en mettre un deuxième. Bon, on va voir. Allez. Alors, sachez que cette technique, je la maîtrise absolument pas. Donc, je vais sans doute me faire rouler dessus. Mais alors, est-ce que je veux up ça? C'est ça la question. Ouais, quand même. Et on va aller. Et puis au prochain tour, il faut mettre le debuff, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Là, on va aller chercher quand même le. Alors, pour l'instant, il nous met de la forteresse. Ok. Quoi sur les races alors j'ai la floating artillery qui serait assez sauvage. Bon, j'ai le range, mais là on est direct au contact. J'ai la fine maintenance et le degen beam. Alors qu'est-ce qui reste de beau de l'autre côté? Ah, il a du sniper. Là, ça va pas être bien.
Voilà, ça c'est bien par contre. Armure absorption sur les boules. C'est vrai que là, dans l'état actuel des choses, ça peut être bien. Alors, acide blast. Bah non, parce que je suis sur le terrain de mon adversaire. Ouais, le module d'absorption sur les nonuts. Ouais, je crois que ça. Ou alors celui-là. Non. Ouais, l'absorption. Et l'armure, c'est vrai que ça pourrait être bien. Là, elle commence à être niveau 3. Si je mets l'armure, ah ouais, ah, on va prendre la ressorption. On va voir. Et alors, bah, j'ai toujours pas mis d'unité supplémentaire là, par contre, c'est pas cool. On est à round 4. Est-ce que... Ouais, deux shafts de plus, mais j'hésitais quel shaft, mais... toute façon, il faut attendre que ça soit nettoyé, donc on va le faire venir après. Et puis, tiens, on peut level up ça, ça fera toujours un peu plus de dégâts. Et puis, voilà. Allez, hop. Il a mis sur quoi? Ah, c'est les fangs. Ah, mais il a un problème, c'est que ses fangs, ils montent pas de level, donc... Ah, avec les Mustangs de Troubadix. Là, en vrai, tu mets 8 canons et 2 hits sur les rails et tu t'appuies. Alors, c'est embêtant, la caméra, elle est pas... Vraiment, au moment où ton adversaire est mort, il devrait dézoomer. Ouais, je pense que je vais mettre les 8 canons, là. qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, je pourrais mettre la Sorino. Il a rien derrière. Voilà. Bon. On va le monter de niveau. Et je vais mettre. Bah, je vais d'abord mettre le Floating Artillery. Ça, on va aller monter de niveau. Et. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du chaff? Le heal, c'est mieux. Oui, mais lui, il avait déjà le heal. Donc, je me dis que là... Ouais, il va falloir que le prochain tour, je fais ça, ouais. Prochain tour... Il n'a pas l'anti-artillerie sur l'anti-aérien sur ses forteresses. Alors, je ne sais pas trop pourquoi il a commencé à faire là-dessus. On va mettre le feu. C'est là où je suis content que
mes boules régènent. Ah, ça y est, il a sorti le marksman. Ouais, mais je pense pas que ça aurait changé grand chose. Hein. Là, dans l'état actuel des choses, elles se sont fait démonter rapidement. Que contre les comment on appelle ça alors je mets un scorpion dans le lot franchement là je pense ça et je le revends ou alors je le mets là au bout mais Ah, un Overlord Photon? Ouais, c'est vrai que là, ça pourrait être bien avec le feu et les trucs dans ce genre-là, ça pourrait être pas mal. Attendez. Hop. Ouais, je pourrais faire ça. Je peux bien tech et déployer. Bah, je peux mettre un Overlord Photon. La portée du photon, elle est là. Là, on va faire ça. On va monter niveau. Passé. Oui, t'as raison, j'ai pas pris les impériaux et au final. Mais je trouvais le côté photon était pas mal. Et donc voilà. Bon, je pense qu'on gagne là. Eh ben, GG, bravo Troubadix! On l'a. Pourquoi il veut pas le prendre? C'est fou, il s'ouvre quand. Alors, il s'ouvre quand on veut pas, il s'ouvre pas quand on veut. Ouais, bah c'était effectivement pas très très efficace, surtout face à des boules, voilà. Et ben ça marche. Pour une fois que ça marche, merci Exénon de pouvoir montrer cette tactique. Après, tu as la dégénération qui permet en fait d'appuyer encore plus en fait sur le manque de dégâts de l'adversaire là. Mais effectivement, c'était pas nécessaire. Peut-être la régénération a été mieux, mais au final, les 8, bah, ça faisait que ça avoinait dur, hein. Ça avoinait très dur, et puis il y avait le chaff derrière qui arrivait. J'aurais été dans son inverse, je serais pas parti sur des forteresses en tout cas. je serais pas parti là-dessus. Je pense que ouais, j'aurais mis un Vulcain, parce qu'il y avait trop de chaff. Et puis. Bah, on l'a vu hein, dans une des parties précédentes, quelques Marksmen pour. Pour avoiner ça, c'est pas mal. Donc, à la limite, ouais, Vulcain pour clear le chaff et puis les Marksmen pour descendre les Vulcains. Rester les boules qui commençaient à être violentes. Alors, est-ce que. Je sais pas si c'était la forteresse le bon système. Là, je vous avoue que je ne sais pas. Et toi, de ton côté. Oh, c'est joli. Moi, c'est le bordel, mais toi, toc, 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 toc. Avec une petite forteresse, là, c'est.
Je suppose que c'était une cadeau dernièrement. Ah oui, il fallait passer ça. Et comment tu les passais? Je sais pas. Bah avec les marksmen, je suppose. Et là, pareil, bah, tu avais ce qu'il fallait pour clear chaff. Et puis après, bah, ça devait petit à petit attaquer le dur. Ok. Eh ben chouette. Ouais, puis lui, il a dû être difficile à bloquer. Avec les snipers, c'était un peu long au début. Ouais, bah oui, j'imagine bien, ouais. Mais j'ai failli partir sniper, hein. C'est vraiment parce que Xenon m'a dit non, 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 pas sniper avec ça. Effectivement, en plus, on est vraiment trop proche, en fait. Grace, au final, hein, quand il commence à monter de niveau, ça commence à être sauvage. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Vu l'heure, je suis obligé de rendre l'antenne. Voilà. Mais bah, c'était super chouette. Un grand merci à Troubadix pour m'avoir accompagné sur les deux derniers matchs. Un grand merci à Xenon, Cardella, Corwin qui est passé dans le coin. Et surtout à... Je cherche son nom. Ah bah si, je l'ai ici. À Slow Cooker Stu qui est allé faire une... qui nous a fait un raid avec 7 téléspectateurs. Donc un grand merci à toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. À mon avis, non, puisque tu as écrit en anglais. Mais en tout cas, merci. Peut-être que c'est grâce à toi, Cardella, d'ailleurs, qui traîne du côté des anglophones. Voilà. Mais jamais, bah, hop, 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 boule rampeur, tu le prends, round 2, round 3. Mais jamais tour 1, car c'est pas clear chef et ça ne fait rien. Ouais. Oui, t'as raison, sans doute. C'était pour l'anti-aérien, en fait, hein, c'était aussi simple que ça. Sur ce, un grand merci à vous, et puis n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si vous aimez. Ces petits matchs que je fais avec vous, bah, avec les gens du Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, qui est super chouette. MechaFR, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et puis, bah, on se retrouve. Prenez soin de vous, c'est important. Là, on est en été en plus, laissez les moments où voilà, on peut aller voir les copains, on peut aller voir la famille. Profitez bien de tous ces moments. Voilà, et puis on se retrouve. Tout bientôt pour bah, de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Voilà, c'est la fin. Alors, tu disais Xenon, oui, mais vaut mieux concéder que mettre deux snipes, tu perdras encore plus en toute logique avec deux snipes, avec les deux snipes. Ouais, sans doute. Merci Troubadix, à la prochaine. Bah, on va vous faire un petit, comment on appelle ça? Un petit raid, hein? Où est-ce qu'on va aller? On va regarder qui est en live. Il y a Maudit qui est en live, il y a Canard PC qui est en live. Qu'est-ce qui montre Canard PC pour l'instant? Ouais, c'est du vélo, ça va moins bien. Il y a du Elden Ring, il y a du New Wax, hop, qui est sur du No Man's Sky. Ah bah il y a FrareTech. Allez, on va aller sur FrareTech. Voilà. Hop, bon après-midi, à la prochaine. Hop. On va lui faire une petite surprise. Restez au moins pour le temps de lui faire lui faire le raid. Allez, frère Tech. Hop. Voilà, lancez le raid. En tout cas, merci d'être venu voir ce live. Un grand merci. Et puis, et passez une très belle après-midi. Et puis, voilà, prenez soin de vous. C'est important. Et... Cet après-midi, c'est une mission que je vous donne. Vous téléphonez à quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez bien, et vous lui dites que vous l'aimez. Voilà. C'est important. Avec un peu de chance, il y a deux personnes dans le chat qui vont se téléphoner. Non, mais c'est important. Franchement, des fois, on est perdu, et puis s'il y a quelqu'un qui dit, bah tiens, je tiens à toi, bah, c'est toujours agréable. Je dis entre amis, hein, c'est pas forcément. Et ça peut être juste quelqu'un avec qui on aime bien passer du temps. Allez, ciao!